Salut les Volcaniens, c'est Volcano. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur le mode Aether de Minecraft. Donc, a priori, normalement, je vous avais dit qu'on allait commencer la maison dans cet épisode et c'est ce qu'on va faire, a priori. Alors, petite précision, j'avais dit que j'allais voir des types d'architecture de laser. J'en ai pas spécialement trouvé, en fait, c'est des maisons classiques, mais ils utilisent des matériaux de laser tout simplement. Donc, je vais en faire une à l'instinct. Ensuite, par contre, justement, en matériaux, je sais pas du tout comment ça marche. Alors là, oui, bah, là, c'est du bois. Ça, c'est des types de bois, parce que je me rappelle que quand tu essaies de le transformer, tu peux le transformer en différents trucs. Les herbes, je sais toujours pas comment ça marche. Est-ce que si je mets de la bonne mille dessus, ça pousse? Je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie, parce que j'ai de la bonne mille. Et les briques, les pierres, etc. Je ne sais pas trop comment ça marche, il y a combien de types de pierres, etc. Donc, j'en sais rien. Aussi, j'avais pensé à un truc. C'était genre, j'y avais pensé il y a longtemps avant de commencer l'aventure, c'était genre à faire une sorte d'île volante, la créer moi-même, et faire ma maison dessus, un peu en dehors de ces îles, et rajouter des îles au fur et à mesure que je vais faire des bâtiments, avec des thèmes différents, imaginons une île avec cette terre-là, une île avec la terre violette, une île avec la terre jaune, une île avec la neige, une île avec... je sais pas, la terre du Nether, la rouge, la verte, la terre normale, le mycélium, le sable. Bon, voilà, vous avez compris. Et je m'étais dit que ça pourrait être bien. Et là, je m'en suis rappelé, je me suis dit qu'en vrai, il y a quand même le ciel pas très loin du portail de l'Aether, donc il y a peut-être moyen de faire ça. Donc on va essayer de voir. Peut-être que je ferai la maison sur la terre ferme, mais après, au fur et à mesure, je me déplacerai sur des îles. On verra. En tout cas, c'est pas sûr que je finisse la maison ici, mais on va essayer de tout faire. Bon, ça fait une cuillère. Alors, par contre, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se stuff. Alors, déjà, premièrement, c'est que j'ai envie de transformer ces blocs-là en minerais, parce que sur les heures récupérées, c'est quand même pour les avoir en minerais, je suppose. Du coup, on récupère du ferronium, on récupère du saphiringo. Ok, et ça, par contre, c'est quoi? De l'Aurora Stone. Et de l'Aurora Stone, il n'y a pas l'air de. Il n'y a pas l'air d'avoir la possibilité de l'obtenir. Par contre, vous avez vu, je peux plus retransformer le ferronium en brasse. Écoutez, pourquoi pas. Est-ce qu'on a des Aether Sticks? Parce que moi, c'est vrai que. En fait, là, si vous voulez, je vais me faire une hache pour couper les arbres. Alors, on en a un. Un peu compliqué. Okay. On va faire ça. Hop, 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 hop. Je vais couper un arbre parce que de toute façon, dans le coffre, il faut que je coupe un arbre pour commencer. Alors, je sais pas quel bois prendre parce qu'il y en a plein de différents. Je pense que je vais prendre le classique, celui-là. Alors, encore, je me dis celui-là, mais est-ce que c'est le même que celui-là? J'arrive pas à les identifier. Non, c'est pas quand même, on l'avait. Le classique, c'est celui-là. Donc, on va prendre celui-là, je pense. Et puis, on va voir. Donc ouais, je vais essayer de faire des bases de maison. Et ensuite on verra bien quoi, tout simplement. Parce que j'en ai aucune idée de comment la construire, je n'ai pas d'idée d'architecture. Après, au pire des cas, si je la finis en off, je pense que c'est pas si grave que ça. Ou que je l'avance bien en off, histoire de voir à quoi ça ressemble. Mais voilà. Mes feuilles, est-ce qu'elles despawnent seules? Ça, je sais que c'est de la nourriture. Voilà, c'est les oranges. Mais je sais pas si les feuilles despawn solo ou pas. Donc, hop. On va se créer 4 Aether Sticks. Je pense que je vais juste me faire une hache pour l'instant. Je vais pas me faire des équipements dans tous les sens. Alors, je trouvais pas. C'était ça du Hawthorn Planks. Donc, vous voyez ces planches-là. Ça, on les avait déjà vues normalement. Ah, je me fais 4 Aether Sticks. On va prendre le ferronium. Le saphir et la brosse pour voir ce que ça fait. Alors on peut faire du coup un truc en ferronium. Ok, là je peux me faire une lance, une pyre spear. Alors la lance peut être très bien pour tuer peut-être les baleines, vous savez. Mais est-ce que je peux est-ce que je peux la récupérer ça le retour? Est-ce que je peux la récupérer ou est-ce que ça marche comme un trident et du coup il faut le sort retour? Parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut le sort retour. Ça c'est quoi? Ok, avec des saphirs nuggets on peut faire ça. Ok.
Là, je peux faire, avec des pommes d'or, je peux faire ça. Et d'ailleurs, la Pyre. Attends, c'est quoi ça? C'est la Pyre Sword. Mais la Pyre Sword, c'est déjà la Aether Sword. La Brass Sword que j'ai déjà améliorée, en fait. Ah, oui, je vous avais dit, putain, la Pyre Sword a fait des dégâts. Et elle m'avait un aspect, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Mais en fait, c'est l'épée, la Brass Sword que j'avais fait, là, une fois. Mais déjà améliorée. Donc en fait, là, il me faut des pommes d'or pour avoir la Aether Sword et j'aurai déjà l'épée la plus forte du jeu quasiment. À part celle-là où il faut un truc du Norman, mais bon. La Holy Sword, j'ai toujours pas essayé. Vous voyez, c'est cet équipement, je pense. L'Aurora Quartz qui est le plus fort. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais, ça. C'est ça, non? Ouais, vous voyez, c'est le truc qu'on trouve quasiment jamais. Alors, je sais pas si c'est vraiment le plus fort ou pas, mais bon. Je parle beaucoup, je commence pas la maison, mais. Je découvre le jeu, donc en même temps, voilà. Ça, et je vous avais dit qu'il me faudrait une pioche parce que j'ai pas beaucoup, j'ai pas de pioche spécialement. On va en faire une en Sophia, écoutez. Au moins, on teste des minerais tout simplement parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, la maison, on va la faire totalement à l'improviste. C'est-à-dire, oh, j'ai un sort. Ça n'a plus besoin. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai sur moi? Quand j'ai ça sur moi? 8, 4, ok, quand j'ai ça. 8-4 aussi, ok. Alors c'est peut-être pour ça que j'arrive à mieux miner les trucs de laser. Ah, regardez ce qu'il y a. Si j'aurais dû me faire une épée. Ah, mais non, j'ai déjà mon épée. Ce truc-là. Et pourquoi il meurt pas? D'habitude, je le mets deux coups, il meurt. J'aime bien ce mouton, il est assez stylé. Les feuilles ne partent pas. Ça, j'ai l'impression que ça peut être des bêtes pour te chasser de laser, vous voyez. Le problème, c'est que je compte y habiter. Donc, je compte pas partir. Bon, je pense que si je leur mets un coup, ça va le calmer. Là, en fait, je vais vouloir faire une maison, mais en fait, je sens qu'on va rien faire du tout. J'ai cru que c'était ce truc-là qui m'a attaqué, mais non, c'était que papillon. J'aime pas ce monstre-là parce que là, en fait, si vous avez, j'ai attendu. Ah, si vous avez pas du moins, j'ai attendu avant de lancer la vidéo parce qu'il y en avait déjà. Et je l'ai tué pour pas qu'il me pousse dans le vide. Le problème, c'est que ça revient. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je quitte Laser et que je revienne. Je pense pour qu'il arrête de me faire chier, donc désolé, mais on va le faire. Parce que c'est officiellement chiant et si je tombe dans le vide, ça risque d'être compliqué. Du coup. Oui. C'est toujours la nuit quand on revient dans l'overworld. Est-ce que c'est parce que ça se fixe à ça ou est-ce que c'est parce que ça s'aligne à la temporalité classique? Est-ce que ça c'est des tombes ou pas? Ouais, c'est des tombes. Je me demandais à chaque fois. Mais oui, c'est des tombes. Écoutez. Ça, regardez. Je vais en faire ça. Et je vais essayer de l'utiliser sur le sol pour voir ce que ça fait. On peut pas. Mais ça, on peut. On ne peut pas non plus. Ah, mais comment on fait pousser des arbres de laser? Oui, moi, c'est ça qui me fait peur. J'aurais dû faire une construction. Mais comment on fait pour faire pousser des arbres de laser? Je peux physiquement l'utiliser nulle part. C'est vrai qu'il y avait ce lac-là, je disais qu'il y avait qu'un seul lac d'eau, mais en fait, non. Et je ne peux l'utiliser nulle part. Écoutez, je ne comprends absolument pas quoi ça sert. Ah, je comprends quoi ça sert dans l'overworld, mais comment on fait pour faire pousser des arbres et tout, faut m'expliquer. Je ne sais pas. Alors du coup, laser est là. Alors moi j'avais pensé à faire une maison un peu sur des îles flottantes. Le problème c'est que là ici c'est trop collé à ça, donc ça va pas du tout. Et regardez, il y a des îles plus basses là. J'avais pas vu ça. Donc le problème c'est qu'ici ça va pas et moi en fait je pense que j'aimerais bien avoir une vue sur vous savez le temple doré qui est assez stylé. Alors ici je pourrais commencer à faire une maison là, vous voyez j'aurais déjà mon île là là mais en fait on est trop serré. En fait je vais quand même m'éloigner du portail hein, je pense. Mais en même temps en fait
Sinon, je peux faire ma maison classiquement là, tout simplement. Mais en fait, je trouve pas ça intéressant. J'ai la musique de Sonic. Sonic 2 en tête. Je dis Sonic 2, mais Sonic 1 et tout, c'est à peu près la même. Mais cette musique-là en tête, je sais pas pourquoi. Si, parce que je l'ai fini il y a pas longtemps. Non, je pense que je vais rester sur. Ça y est, là, je pense que c'est décidé. Je reste sur mon idée d'île. Puis il y a un village pas loin, donc c'est l'avantage. Par contre, pour les arbres, ça me chagrine parce qu'en fait, du coup, je me dis que si on n'a plus d'arbres, comment je fais? Je sais pas, je ne comprends pas le système. J'ai l'impression qu'il est mal géré. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, j'ai une mise à jour du pack avant de lancer l'aventure. Alors, je savais pas que c'était possible, mais c'est apparu. Donc voilà. Mais ouais, du coup, c'est ça qui me chagrine un peu, c'est qu'en fait, je me dis que là, si. Il peut y avoir des noyés ici. Ah ouais. Oh, what the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, ça lui fait pas beaucoup de dégâts, les peurs en laser. Mais what? Donne-moi ton arme. C'était quoi ce délire? C'était quoi ce délire? Il me balance des haches et tout, regardez. Est-ce que j'ai eu son arme? Non, j'ai pas eu son arme. C'est quoi ça? Mais what? Et si on se fait fumer par un dronehead? En voilà une autre. Du coup, ouais, j'aimerais bien faire ma maison dans cette direction. Alors, pas trop près de l'île, parce qu'en fait, si on est trop près, on va se faire défoncer. Mais en fait, on est un peu serré partout. Après, forcément, on a des. C'est un gros concentré d'île. J'aurais dû regarder en off hein, pour ma maison très clairement. Mais j'ai eu la. Je me suis dit non, ce sera peut-être mieux de le faire en. J'allais dire j'ai eu la flemme, mais en fait non, je me suis dit ce serait peut-être mieux de le faire avec vous. Vous voyez, genre ici. Comme c'est des gros nuages et tout. Mais du coup, je sais pas s'il y a des monstres ou peut-être des trucs qui nous tirent au loin encore. Et dans ces cas-là, ça va me défoncer. Et en plus, on sera peut-être un petit peu coincé. Mais sinon, ça aurait été stylé, non, comme ça. Vous voyez, hop. On arrive là et là, notre maison. Ah, j'ai bien envie de la faire là en fait quand même. Quitte à péter quelques nuages. De toute façon les îles ils vont pas tous être à la même hauteur, je vais faire plusieurs hauteurs différentes. Je pense qu'on va la faire très clairement là. Parce que j'en ai envie, allez, ça y est, c'est décidé. C'est décidé. Je fais ma maison là. Alors je fais ça parce que je me connais et je me sens mal. Du coup, par contre, le problème c'est que je veux le faire là, mais j'ai pas récupéré. En fait, j'ai rien récupéré donc je suis un peu à l'ouest. Étant donné que. Ouais, ok, j'ai. En fait, j'ai peur de casser les arbres ici, du coup, parce que. Je sais pas comment les faire repousser, ça me fait chier un peu. Je suis un peu à l'ouest parce qu'en fait, j'ai. Oh, what the fuck, ça mine beaucoup trop vite. J'ai aucun minerai. Et du coup, je sais pas comment faire quoi. J'ai pas pensé à prendre d'établi d'ailleurs. J'aurais peut-être dû. Attendez, il est où l'arbre? Ah bah, genre, ça a pas été bien modélisé genre, sur un arbre, sur les arbres classiques. Du coup, le système il fonctionne pas pareil. C'est un peu bizarre. Alors, j'aime pas, j'entends un autre jardin qui veut venir m'attaquer. Mais où est-il? Il est là. C'est bon, les mecs, ils sont devenus plus résistants. Regardez, j'ai bien la bonne. Ouais. J'avais dit que ça faisait plein de dégâts et maintenant j'ai l'impression que ça fait moins de dégâts. Là, c'est la nuit qui sont plus résistants, les monstres. Peut-être. Alors voilà. Tant pis, on va récolter les arbres. Le problème, ouais, du coup, que je disais, c'est qu'en fait, là, je veux faire ma maison. Y a pas de souci, mais j'ai pas récupéré la terre pour faire ma petite île. Du coup, comment est-ce que je fais? Oui. Du coup, même là, c'est l'impression que les arbres sont un peu faits comme le Nether. Genre, ils se pètent pas les feuilles. Alors après, à la limite, je mettrais des notes trop pour faire moi aller. Mais, je sais pas, je trouve ça bizarre. S'il me veut, lui.
Alors, du coup, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Écoutez, pourquoi pas. Hop, on va miner un peu. On va creuser un peu. Je pense qu'on va peut-être même miner le sol. Alors, je sais pas du tout comment je vais faire le sol. Non, peut-être pas miner. Je vais faire juste un sol en bois. Ouais, un sol en bois. Je pense que je vais commencer à faire le sol. Et ensuite, où est-ce que j'ai pris l'autre bout de terre? Il est là-bas. Fuck. Je commence à faire le sol et après je ferai la structure depuis l'intérieur. L'intérieur tout simplement. Alors est-ce que si on met des torches, les nards ils arrêtent de spawn? Ça c'est une bonne question. Je vais couper tous ces arbres ici. Puis après on sera bien. Alors je pense que évidemment ma maison, plus j'avancerai, plus elle sera bonifiée, on va dire. Parce que forcément là c'est le début, donc je sais pas trop, je sais même pas du tout à quoi je vais la faire ressembler d'ailleurs. Donc forcément ça mine tellement vite que des fois j'ai l'impression que je mine pas. Ah, genre j'ai pas cassé le truc. Ah mais en fait c'est ça, regardez, des fois il y a des chaînes de blocs qui se cassent. C'est pour ça en fait que je comprenais pas. Et des fois je récupère du bois en plus. Est-ce que s'il se cache le tronc tout en haut, il y a tout qui se pète? Ah non, parce qu'il y a des trucs qui flottent encore. J'ai pas encore bien pris le laser en main, en tout cas, je comprends pas tout son système. Bon, les feuilles, je les récupère des fois, je les récupère pas. C'est quand elles sont plus épaisses que je les récupère, je pense que c'est pas basé sur un système de vraies feuilles. Mais bon. Voyez, c'est bizarre, ça en casse plusieurs en fait. Alors, c'est peut-être avec ma hache. Je regarde au cas où qu'il y aurait pas. J'aurais oublié de l'arbre, tout simplement. Bon. Du coup, ouais, la maison, on va certainement pas la terminer. Je me suis pas la terminer maintenant. Je réfléchisse. L'île, je la ferai dans mon coin. Je pense que ça vous vaut. Je ferai peut-être pas de suite avant le prochain épisode. Mais je la ferai dans mon coin. Au moins, ça sera fait. Et je vais pas faire ça avec vous parce que c'est pas intéressant, aller chercher de la terre, revenir, etc. C'est pas intéressant. Alors, du coup, déjà, ce que je vais faire, c'est torcher la zone. Le faire en mode dégueulasse, mais c'est pas grave. J'ai envie d'habiter là parce qu'en fait, ici, déjà, il y a une variation de terrain du type. De type genre il y a la. J'étais en train d'écouter parce que j'entendais l'autre là. Ouais, c'est lui que j'entendais. Parce que ici, genre, il y a la neige, là-bas. Là, il y a les montagnes. Le portail de l'Aïsar, il est pas très loin. En pire des cas, je pourrais même faire un pont comme ça tout droit et un pont comme ça pour aller encore plus vite. Parce que chaque fois, je longe un petit peu, c'est compliqué. Ou un chemin dans les grottes. Ce qui permettrait d'avoir de la pierre. Et en fait, il y a des nuages aussi. Et ça, c'est stylé, je trouve. Avec le petit portail, c'est stylé, en fait. Et là, vraiment, on a un espace pour construire, c'est bien. Et puis là, le fait que tu arrives sur du sable gris, et d'un coup, tu as une petite île comme ça. Je trouve ça nickel ici pour faire un pont, vous voyez. Alors, le pont, très clairement, peut-être qu'il sera modifié. Il y a même de grandes chances qu'il sera modifié. Mais pour l'instant, je pourrais chercher à faire un truc de malade. Donc, on va faire un petit pont histoire de s'éloigner. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que 8, ça peut être bien comme distance. On a une bonne distance. Ouais. Donc là, imaginons, on sera sur l'île. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la maison ne sera pas tout de suite là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ça, est-ce que je peux faire ça? Oui. Alors là, je vais mettre de la pierre. Pourquoi je mets de la pierre? Parce que je me dis que ici, ce sera certainement de la terre, un peu d'herbure, vous voyez. Pour pas que j'arrive après le pont directement, j'arrive sur le truc. Alors je vais pas faire des îles trop grandes non plus, donc trop d'herbure autour, plus ou moins.
Je pense que ça peut être bien. Et là, ici, on commence réellement le sol. Oui. Bon, comme je vous ai dit, alors j'espère que ça pas pété plein de trucs. Bon, c'est bon. Pour l'instant, le sol, je vais le faire en soi, parce que c'est le plus classique. Mais peut-être que potentiellement, là, le pro, je changerai. Faut peut-être en pierre ou j'en sais rien. On verra bien. Alors, ma maison, je ne sais pas du tout dans quelle forme je vais la faire. J'ai envie de la remplir parce que j'ai peur. Très clairement, pas se mentir. J'aurais dû prendre un lit aussi. Ah, j'ai une idée en tête là. Je vais me faire un plus. Une maison en plus. Alors, est-ce que je fais souvent des maisons en plus? Peut-être pas, mais là. Oh, ça y est, j'ai une idée en tête. Je vais faire une maison en plus. Ça m'est venu comme ça. Une maison en plus. Avec trois étages. Avec l'étage toujours de plus en plus petit. Oui. Donc ce qui fait que là, du coup, il me fera un plus assez grand. Oh, what the fuck, c'est quoi ça? On peut faire ma maison aussi. C'est quoi qui m'a attaqué? T'as déjà, j'ai entendu l'explosion, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui m'a attaqué? Ah, bon, si je fais ma maison ici, que je me fais péter à la gueule. Oh, j'ai trop peur. Et regardez, là-bas, direct, un ancien portail. Qu'est-ce qui m'a attaqué? Je suis en pleine chiasse totale. Parce qu'en fait, là, j'étais chaud pour faire ma maison, mais bon. De une, j'ai pas de seau. Et on a vu que le seau, ça m'aide pas forcément. De deux, j'ai pas envie de mourir. De trois, qu'est-ce qui m'a attaqué? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est vrai que je fais ma maison près de la forteresse, ça. C'est peut-être pas malin. Mais je sais pas du tout ce qui m'a attaqué. On dirait presque que je fais un chemin d'appel jusqu'à la forteresse. Est-ce que je continue ou pas? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'après, ça a rien explosé. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais ça fait peur. Écoutez, on va continuer. Du coup, j'ai pensé à faire. Peut-être 15, 5, 5, 5, 5, 5. Du coup, à l'intérieur, je pourrais peut-être faire, je sais pas, 7 de chaque côté, sans compter le milieu. Ah, si, peut-être en comptant le milieu, du moins, donc 3, 3, 3. Attendez, il faut que je suis en train de réfléchir parce que du coup, il faut que je me fasse un plan temporel. Genre, si imaginons on a une ligne, on a un plus de 15. Donc là, au milieu, il y a 5. Là, il y a 5. Donc d'ici, ça fait 10. Imaginons, je fais 7. 7 comme ça. Et après, je pourrais faire 3. Et après, ce sera une petite tour. Ouais, bon, on va partir sur ce plan, je pense. Par contre, ça m'inquiète ce truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai extrêmement peur. Je sais pas pourquoi il y a eu un truc qui nous a fumé d'un coup. J'ai peur de faire une maison trop grande aussi, mais en même temps, on verra bien. Il faut quand même une maison pour mettre les affaires ex et tout, donc alors, j'ai pas compté, je suis à combien. Là, pareil, je suis en train de faire trop de largeur. Je ferai peut-être plus. Parce que si c'est juste un couvert, je pense que je vais faire ça, que ça, que ça peut être bien. Genre 100 largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Parce que là, je suis en train de me dire que je suis peut-être pas bien, j'aurais peut-être pas dû habiter ici, mais bon. Après, là, niveau espace, en vérité, ça va. Là, la maison va faire ça, l'île va être un petit peu plus grande. Donc là, ça va vraiment être mon île. On va être près des nuages, près de la forteresse et tout. Là-bas, je pourrais faire des îles aussi, encore qu'ils avancent comme ça. Et en sachant que je vais faire des îles un peu plus en hauteur et peut-être un peu plus basse. Un peu plus basse, je vais peut-être un peu plus me chier dessus que celle en hauteur. Mais je vais en faire, donc en vrai, il y a moyen.
Toujours est-il que j'ai toujours peur de savoir ce que c'est, mais. Alors, du coup, tac. On va agrandir ça. Bon, aujourd'hui, si on arrive à faire le sol, c'est déjà bien. Moi, j'aurai le temps de réfléchir pour les murs. Alors, le let's play est très long. J'en suis conscient. Je suis désolé. Et je suis totalement en train de découvrir le mode, comme je vous ai dit, puis l'aventure modée, en fait. Donc, puis, je fais pas trop d'ellipses ni rien, parce que j'ai envie de vraiment vous montrer une aventure basique. Donc, et regardez là-bas, j'avais pas vu. Il y a des îles de glace. En plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, d'accord, c'est là. 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Du coup, tac. Est-ce que c'est ça qui m'aurait attaqué? Et pourquoi? Pourquoi, étant donné qu'il m'attaque jamais? 3, 4, 5. Donc là, pareil, il faut aller à 5 de longueur. J'ai peur que la baleine du coup. Hop. Non, je vais dire c'est peut-être ça, mais non, un papillon, il va pas me fumer, je pense. Puis le robot, il me fonce dessus, explosion, je comprends plus rien. Alors là, par contre, bien sûr, évidemment, j'ai prévu le sol. Donc le mur, forcément, sera un peu plus large. 1, 2, 3. Je suis content qu'on commence à faire construire une maison parce que je commence à un peu en avoir marre. Voilà. Là, on a le sol de notre maison. Alors, du coup, j'aimerais bien utiliser. Déjà, c'est quoi ça? Ça, le lait, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Ça peut être bien comme base pour le mur. Je sais pas si ce que vous en pensez. Genre. Hop, imaginons là, ici, je fais un truc comme ça, vous voyez, classique. Et là, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez le genre? Mais par contre, le problème, c'est que ça, c'est très bien, la dead brick, mais j'en ai aucune idée d'où je l'ai obtenu. J'ai vraiment, vraiment aucune idée d'où je l'ai obtenu. Ça, j'ai bien envie de le mettre là. Alors, tant pis, on va peut-être gaspiller un bois, mais tant pis. Attendez. C'est bien là le mieux. Yes. Ah, en plus, ça fait de la lumière. Voilà. Donc, on va commencer à un truc basique, hein, forcément. Attendez, je vais réfléchir de toute façon. Dans tous les cas, le sol, on le verra pas parce qu'il relie le tour. Donc faire un truc comme ceci. Il n'y a pas de baleine ici. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est leur environnement naturel. Je vais faire ça juste histoire de pouvoir mettre mes poutres. Hop. Un petit truc comme ceci, je pense. Bon, quand là, on commence à. On commence à construire, on commence à avoir de la gueule. Alors, je ne dis pas que tous les épisodes, ça va être que de la construction à partir de maintenant, bien évidemment. Juste, je suis en train de me faire une petite base parce que c'était un peu chiant. Trop de largeur, voilà, c'est bon. J'avais peur, là, parce que c'était pas pareil. Alors, j'aurais pu aussi, vous allez me dire, le mettre en décalé pour faire de la profondeur sur la maison. Parce que là ça va être plat, ça va être là un mur, tac tac tac. Là si je décale, ça fait de la profondeur. Parce que là j'ai en fait j'ai une idée en tête de maison. J'ai une idée en tête de maison, mais bon. Là par contre, si je fais ça, si ça me grille un peu de chemin là, ça me fait là. Ah, si je pense que je vais faire ça. Je suis en train de réfléchir en même temps en fait parce que j'ai une image en tête de maison et après je pense que si tu fais un décalage ça marcherait mieux. Alors là du coup il faudrait le mettre là et là il faudrait le mettre là.
là du coup ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore tout perdu. J'en peux plus. J'ai perdu tout mon bois et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le sol en dessous de moi s'est pété? Oula, ça sort une aventure où je vais pas faire de maison, je vais faire que de rush les boss parce que c'est quoi ce délire? Mais j'ai pas le droit de construire de maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas vraiment. J'ai tardé de miner la pierre. Et c'est le bois qui s'est pété en dessous de moi. En moins de une seconde. Genre, j'ai même pas le temps de me dire. Attends. C'est pas la pierre qui est en train de se faire miner. J'ai pas le temps de sauter. J'ai. Et puis, j'ai une pioche. Ça mine pas le bois. Et je ne comprends vraiment plus. Alors, ce mode de jeu, ce mode en général, je ne le comprends pas. Je suis en train d'être déçu à mort de Laser alors que c'est le mode que j'appréciais le plus. Regardez, que j'espérais qu'il soit implémenté dans Minecraft pour de vrai, pour en tant que mode. Étant donné qu'en plus le créateur a été recruté par Mojang et qui travaille depuis plus de 2 ans je crois chez Mojang. Et là, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Les arbres, tu peux pas les faire repousser, j'ai l'impression. Les feuilles, des fois, c'est des blocs. En tir, c'est pas des feuilles comme des feuilles d'habitude. Après, ça, c'est pas grave parce que dans le Nether, c'est pareil. Mais là, je tombe dans le vide sans aucune raison. Je comprends pas. Je vous le dis très clairement. Bah, de toute façon, je pense que le live timer, l'épisode, il va s'arrêter là. Je peux vous continuer, je vous continuerai en off au pire. Mais j'ai envie de traiter. Je t'ai fait des trucs dans un matériau précis, etc. etc. Mais pourquoi c'est pourquoi? Pourquoi? C'est quand tu tapes ça que ça disparaît? Bah non. C'est la pioche au sévère qui fait ça, qui fait des gros dégâts sur le sol et qui explose tout. Alors ça se pourrait parce que il y a plein de matériaux différents, donc faut bien qu'ils ont une différence. Mais pourquoi? Tu vois qu'il y a un truc qui m'a attaqué, je sais pas ce que c'est, en plus de ça le sol il se pète. Est-ce que mes équipements ils sont encore là ou est-ce qu'ils sont tombés dans le vide totalement? Ouais, ils sont morts. Je demande si on met des bottes en cuir, est-ce qu'on peut courir sur les nuages? Je pense que oui. Bah, écoutez, est-ce que j'aurais la foi de me refaire un stuff en fer? Je sais pas. Ouais, je sais de faire donc ouais. Mais je suis désespéré, je ne comprends pas. Donc on va s'arrêter là parce que. Nick, tout simplement. En off, je vais essayer de faire le sol, je le referai. Et je vais essayer de faire de la structure externe un peu plus ou moins. Peut-être même faire tout simplement tout le premier étage parce que de toute façon là vous avez vu ce que je veux faire et vous voyez je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemblera, ça sera plus simple de le faire en off qu'en vidéo parce que sinon la vidéo va être longue je pense pour le temps que je réfléchisse et tout, mais je vais essayer de faire une structure un peu nordique en soi, donc je vais au moins faire le sol, faire l'île histoire que je sois protégé. J'aurais bien voulu essayer de mettre, si j'y arrive, 2 couches à l'île au moins, si je creuse. Si d'un coup ça se creuse en dessous de moi, j'ai encore un pied. Et je ferai peut-être les murs, peut-être pas le toit, mais les murs. Voilà. Donc bah, j'espère que cet épisode vous a plu. On a commencé la maison, donc on a trouvé l'endroit où on va habiter. Côté du temple doré assez stylé, les montagnes de neige. Pas loin, il y a un biome de glace. Les montagnes classiques, et il y a un village pas très loin, donc je ferai des routes, etc. J'essaierai de faire des ponts qui mèneront plus vite au portail de Laser. Ça, c'est pas un souci.
Pendant, on est mort encore une fois. Je sais pas trop pourquoi, donc il faudra que je réessaye. C'est parce que j'ai plus de stick, j'en ai qu'un, mais je vais essayer. Parce que ça m'intrigue trop, pourquoi ça fait ça. Et on verra bien, tout simplement. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous retrouve devant la maison où je vous montrerai l'avancement. Donc si vous n'avez pas de vidéo tout de suite, c'est parce que j'ai pas le temps de le faire. Et au pire des cas, si vous avez une vidéo tout de suite, c'est que tout simplement, on va faire autre chose. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien.